Et après, normalement, nous serons bons. Ah. J'en profite pour faire pareil. Diffusing. On va faire ça. On va mettre. Alors, attends, je teste, je regarde. Est-ce que ça fonctionne bien? Ça n'a pas l'air de si bien fonctionner sans, on va passer à 120p, puisque j'ai l'impression d'avoir récupéré un peu de connexion, mais par contre, pour diffuser, c'est toujours pas ça. Voilà, et là, quand je passe en 1620p, c'est redevenu stable. C'est moche, mais c'est redevenu stable. Du coup, ma vie a changé. Voilà. Donc du coup, tu pourras m'invitasse dès que tu seras dans ta partasse, quand tu voudras la mitasse. Ouais, attends. On... guérilla. Voilà. Donc, j'ai mis Renegade Jeff en mode guérilla. Voilà. Donc du coup, bah, là, ça veut dire que ça, tu es obligé de retourner à ton ancienne manette, là. C'est un peu la... Là, ouais. Voilà. Ah, à là, commencer à diffuser, votre audio n'est pas inclus. Là, c'est bon, tu peux inclure ton audio, si tu veux. Tu l'avais inclus, toi? Ah bah oui, oui, c'est vrai, il y avait la voix. Je suis bête. Attends, je revérifie. Réessaye pour voir. Fais AEI. Là, joue à... contrôle d'identité. C'est bon. Ah voilà, ça y est, Jean-Luc Reichmann est en live. Ça y est, Jean-Luc Reichmann il a fini son truc de tout ce que je dis. Là, ça y est, il s'est posé pour faire un petit live. Du coup. Ah oui, je t'ai pas invité dans le jeu. Oui, tu peux m'inviter. Voilà. Ouais, ça fait bizarre d'avoir retourné l'ancienne manette. En plus, t'as l'impression que tous les boutons sont usés par la vie, quoi. Bon, en même temps, c'est normal aussi, hein. Ouais. Pas le même âge. Bah, surtout qu'en plus de ça, ouais, ça fait un moment ouais, qu'il n'y a pas de toucher parce que t'avais l'autre. Bah ouais. Mais l'autre, ouais. L'autre, soit je dois acheter des piles ou soit je dois acheter un nouveau truc USB. Et ou directement un chargeur de manette, mais pour les nouvelles. Bah après, si jamais t'avais réellement besoin ou quoi, tu le dis, tu passes. Et puis je te filerai des piles. Hein. Moi j'en ai un peu d'avance, je peux t'en filer. Ouais, voilà, ça va. Heureusement que mon ancienne fonctionne quand même. Elle est juste fatiguée de la vie, mais elle fonctionne. Faudra juste que tu penses la prochaine fois que tu vas faire tes courses. Ouais, ouais, bah ouais. Faut que je prenne deux. Mais après, quitte à ce qu'il faut que je prenne quand même. Pas mal de piles en fait. Comme ça je serais tranquille parce que comme les miennes ils s'utilisent en fait de ouf en fait. Attends, du coup. Ah oui, c'était vrai, c'était en bas, donc faut se téléportasse. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Y'a un bivouac au-dessus ou ouais, à gauche. J'ai pris celui à droite. Ah oui, là, je l'ai pas eu. Hop. The breakpoints. Après, si ça t'intéresse, si tu veux, t'as comme moi dans mes chaînes recommandées de Twitch, j'ai Amourante, Piscine, Jacuzzi. Amourante. Allez, sinon on peut inviter Amourante à faire un petit GhostCon. Non, en tout cas, il y a toujours l'autre là. On avait trippé là, la fille qui est toujours ah, oui. Chez ses micros là. Ah oui, toujours. Mais bordel, je l'ai tous les jours. Bordel de fiac. Putain, j'ai beau l'allumer, elle disparaît jamais. Ah, elle est là à la vie maintenant. Merde, on m'emmène au bivouac de force. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ah oui, mais faut se préparer avant d'y aller. C'est vrai, mais faut se préparer.
Non mais oh. Je sais même plus si je suis bientôt niveau 30, je crois. Voilà, bah c'est bon, je suis prêt à lever le camp. Moi, pareil. Allez, on est parti. On est Le parti champ. aller taper des malandrins. Malandrin. C'était où? Il est où mon point? Ah, il est là-bas. À 500 mètres. Ouais, mais il y a un hélicoptère. Au moins si ça nous emmerde, on va les rafaler. On va les rafaler! En plus, ils peuvent pas me détruire parce que moi, dans un hélicoptère, je Ah suis oui, c'est vrai. invincible. Ah. Alors. Il peut y avoir d'ennemis. C'est sûr? Ouais, ils sont autour, mais il n'y a pas l'air d'y en avoir. Par contre, là, je me pose, mais ça passe, non? Là, ça passe, nickel. Ah, attends, il y a un petit rocher. Ah, non, c'est bon. Non, ça passe. Ça passe au calme. Ah, oh non, non, bah, du coup, vas-y, j'en prie. Non, parce que j'allais dire, ah oui, cette mission-là, j'ai déjà faite, mais je l'ai finie. Ah oui. Bah oui, c'est vrai. Quoi? Comment ça se fait qu'il n'y a plus de... Un conseil, allez voir à cet endroit. Merci pour tout. J'espère que c'est pas nous. Normalement, c'est pas nous. C'est pas vers nous que ça pète tout ça. Ah oui, c'est Non, là-haut. je pense que ça doit être Bah, gâché ma vie! ah. Oups, my bad. Vous allez quelque part? Des patrouilles de sentinelles approchent. Il faut qu'on déménage. Vous avez dû les mettre en rogne pour qu'ils s'en prennent à vous. Qu'est-ce qu'un groupe comme le vôtre fait sur Aurora? On est là par rapport à l'attentat. J'en ai entendu parler, mais sans trop de détails. Qu'est-ce que vous savez? Hey! Désolé nomade, j'ai beaucoup de travail, En tout excusez-moi. cas, il était d'une aide précieuse. Bah tous, hein. C'est comme ça que tu l'imaginais? Oula, Attends, attends. un cochon. Ah oui, faut... Attends. ah oui, c'est vrai, faut se rendre à chaque point. C'est en haut le coffre. Ouais. C'est encore plus haut? Toujours plus haut. Toujours plus fort. Ah, je vais écouter, ça va être tout en haut. Ouais, voilà, Ah, ça me voilà. semble... Ouais, ça me semble... Ouais. Pour démonter des pièces métalliques. Non, Jacques 76 est le streaming. Me fait marrer quand ça met ça. De Ouais, quoi? non, à chaque fois, il y a la notif quand mon père diffuse, ça met Jacques 76 est le streaming. Hey, le streaming? Ouais, là, ça me met à chaque fois Jacques 76 est le streaming. Et ensuite, ça met Jacques 76 diffuse sur Red Dead. Mais juste avant, ça met Jacques 76 est le streaming. Comme s'il était le streaming. C'est trop chelou. D'accord. Ouais, c'est spécial. Ah bah, t'étais juste là. On va voir, il y a plein de points. Il fallait 4 points. Ouais, mais ça va être vite fait, ça, je le sens. Alors. Ça va pas être. Faut pas vaincre les mecs qui sont dans le barrage, je crois. Je sais plus. Ah, je crois que ça doit être un truc comme ça, je crois. Pense qu'on va faire du sale. Le drone. Ça fait que chelou quand je clique sur mon joystick.
Ah ouais, c'est ça, c'est des mecs. Un sniper rifle. Et le sniper? Ouais. Et ça fait bim bam boum. Ouais non mais j'ai changé de sniper cette fois-ci, j'ai pris un silencieux. Pas comme la dernière fois qu'on a joué. Ah. Ah, y'a un mec dans sa cabine. Ah, il n'existe plus. Du coup. Parce que là, j'ai pas trop compris en gros ce qu'il fallait faire. Parce que là, on a vaincu les mecs, il me Ah, il semble, non? fallait, c'est bon, il fallait aller à l'ordinateur là où je suis. Ok. Là, il y avait un ordinateur et c'est un truc pour la mission. Voilà. Ah, on a plus qu'un. Ah bah du coup on a plus qu'un point. Du coup ça veut dire qu'on a été au bon. Soit on a Ah, été on au était bon, au bon soit direct. au. Bon, on a peut-être Voilà. été au bon direct, hein. Bon, après, si c'est peut-être aléatoire et puis. Oh, ça c'est professionnalisme. On va pas dire qu'on a que c'est parce que le truc il y en avait qu'un machin. Non, non, on a. C'est le professionnalisme. Je préfère croire ça. Ah, non, mais c'est on est tellement fort que même nous on s'en rend pas compte, quoi. C'est ça, on est tellement fort que voilà, on n'a pas besoin d'aller à 36 000 endroits, nous on va directement au bon parce qu'on sait que c'est ici, parce que c'est l'instinct. C'est L'instinct l'instinct. militaire. C'est l'instinct militaire. C'est mon instinct militaire de jeu vidéo qui m'a dit que ça fait des années que moi je combat, j'ai été partout. On peut dire qu'on a fait toutes les guerres, hein. Quand tu regardes Ah dans tous non, les elle jeux, a fait on a fait toutes toutes les les guerres. guerres. Non, dans le sens, c'est vrai que t'as raison. Ouais, on a même sauvé la On a fait la galaxie. guerre du Vietnam. Ouais, on a sauvé la galaxie, on a fait la guerre du Vietnam, on a fait la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, on a sauvé la galaxie. Là bientôt on va retourner à l'espace avec Starfield. Donc sur d'autres planètes. Donc on a Q tout va fait. retourner à l'espace. Oui, Oups. Désolé. Merci de mettre des couteaux dans la plaie. Encore et encore. Et ça continue encore et encore. Et du coup, j'ai regardé, il me reste plus que 12 jours de Game Pass. Ça passe archi vite en fait. T'es sérieux? Bah ouais, j'ai regardé là, sur mon écran d'accueil, ça mettait il vous reste tout, il vous reste 13 jours. Enfin, c'était hier que j'ai regardé, il vous reste 13 jours de Game Pass. Je fais, Non, hein, en genre, plus. j'ai l'impression de l'avoir mis il y a pas longtemps. Bah pourtant ouais. Tu l'as mis il y a 15 jours. Il me semblait Déjà? que c'était un mois pourtant. Là, tu vas me dire que le mois il va être à passer d'une vitesse. Ouais, ça me paraît étrange aussi, moi, je trouve. Ça fait bizarre, hein? Non, je Chelou sais quand pas, même. non mais t'as raison. Un mois. Pourtant, c'était bien un mois le truc, hein. Bah ouais, c'était un mois. Et là, il reste déjà plus que de 12 jours. Parce que si hier il restait 13, là aujourd'hui il doit rester 12. Faudrait que tu regardes ta facturation à date de quand? Ah non? Attends, parce que moi aussi je viens de voir un copain là juste en haut. Ah merde. Encore embarqué, bordel! Après ils sont orange, ils ne sont pas tout à. Alors genre enfin. Ok, il a dit c'est les parias, il a raison. C'était quoi ce bruit de. Comment ça? Oh non, c'est une patrouille dans votre secteur. Votre secteur, la patrouille. Alors, attention à toi, il y a un. Comment s'appelle? Gatling qui descend. Ok, allez. Il descend bien en ralenti. Et lui, je vais bien venir vous casser les couilles, les gars! Bonjour! Voilà, il n'est plus ce monde. Ah, déjà? La fragilité de ces mastodontes.
Ah, mais oui, en mode avec son mode là, les filles, c'est la non, c'est des victimes. C'est des civils. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Ouais, Non, mais je veux dire, après, c'est beaucoup d'achats d'équipement pour très peu, quoi. c'est ça. Les filles, le mec il est en armure, mais il crève encore plus qu'un. Ils arrivent derrière toi, je crois. Ah ouais? Ah, je suis à l'ordinateur. Attention. Ah non, ils sont. Oh, moi les mecs sont énervés. Allez, je fais la mission. Consulter et ça nous dit quoi? Ouais. Moi je m'y connais moi. Oh! Ah, on a un autre. Ah, il est en face. Hein? J'ai quelqu'un qui m'a ajouté en ami. Ah bon? C'est pas des conneries ça? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir la photo. J'ai vu Johan, je sais pas quoi. Je sais pas si je peux par là. Viens derrière! Oh! Ah oui, c'est vrai, d'habitude avec la gonzesse ça me fait le radar que là. On va les buter ces ordures! Parce que je crois que moi ça me les affiche, mais que sur un rayon de 10 mètres, je crois. Les ennemis. Ah ouais? Ouais, bah de toute façon, tu le verras quand tu augmenteras tes compétences. T'as des compétences pour te. Pour tous ces trucs là, compétences passives. Du coup, je serais d'avis qu'on retourne à l'hélico. Allez, hélico. Ok, lac, on y va. On y va, on y va. Ah, par contre, du coup, l'hélico, je sais plus où est-ce qu'il était. Il est là en bas. Ah, bah oui, il est là. Gros hélicoptère bleu. Là. Je te laisse piloter, hein, c'est toi le pilote de l'hélico. Vas-y, je pilote. Enlève tes culottes, c'est moi qui pilote. Et là, en plus, on peut dire ça puisque j'ai un personnage féminin, donc tu peux dire enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Bah là, pour le coup, ce sera vrai, quoi. Ouais, mais c'est beauf quand même. Pourquoi y a pas une fumigène rouge qui vole dans le ciel? C'est que pour moi. Une fumigène rouge? Ah oui, non, il y avait bien une fumigène rouge. Ah voilà. Ouais, mais on va faire comme si on n'avait rien vu. Ah. Voilà. Nous, on est les Ah non, militaires les trop distraits. Parisiens détenaient plusieurs des cellules énergétiques de Madère. Ils se trouvent dans la province d'Infinity, dans une planque des Parisiens. Des parias, non? Ouais, mais ça veut dire la même chose. Des Parisiens! En plus, moi j'étais en train de t'écouter, j'étais en train de dire. Des Parisiens, ouais. Mais attends, mais pourquoi des Parisiens? Ça veut dire la même chose, les Parisiens c'est des parias. Je ne soutiendrai pas ces Vas-y. propos. Vas-y, bah. Je descends ici. Hein. Sachant, je sais pas comment on descend. De quoi? Genre quand t'étais en l'air, j'ai essayé de descendre, ça voulait pas. Merde, on est en train de taper un. Ah merde, on a perdu les hélices. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, on en aura plus besoin, je crois. On en aura plus besoin. Vous allez bien? Ça va, je suis en un seul morceau. J'ai trouvé un atelier, c'est peut-être le vôtre. Il y avait des plans dessinés par Paula. On n'a pas le temps. Ce peloton de sentinelles a puisé dans nos réserves. Des réserves vitales. On ne tiendra pas le coup sans elles. Aidez-nous à les récupérer et rapportez-les à notre point de ralliement.
D'accord. Mais je conserve ces documents. Ah non, mon personnage bouge tout seul. Voilà. Je sais pas si faut, faut livrer le camion. Livrer le camion? Je crois que c'est non. Celui-là, ouais. Ah ouais. Ah oui, non. Faut choper un camion là en route. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est pas grave, on va faire ça à l'ancienne. Pour le petit camion, on va faire un petit, une petite charge blindée. Charge blindée, hop. Il aura juste à me guider. Mais normalement, il devrait pas être loin, je crois. Là, attends, tu vas tout droit, on va le croiser normalement. Là, si tu retournes sur la route grise, en fait, il est en train de venir vers nous. Il sera sur une route jaune qui sera sur le côté. Attends. Et là, il est là-bas, on le voit. Là? Je suis sur la bonne route là ou pas? Ouais, là, c'est la bonne route, ouais. En fait, on va le croiser, on va aller au même endroit. On va aller sur la route jaune là, à droite. Ah, par contre, il y a des mecs qui tirent dessus. Attends, je vais leur ça, regarde. Merci les ennemis. Non, merde. Ah, le bâtard. Merde, attends. Je peux pas le viser en plus. Je peux pas les viser, les mecs. Attends, je crois qu'on. Merde, putain. Ouais, mais t'inquiète. Ouais, mais t'inquiète. Juste freiner. En fait, il faudrait que tu t'essaies de rouler à sa gauche, comme ça moi je lui tire dessus. Là. Ah non ? Ah non, il est en train de nous soulever. En fait, il faudrait que t'ailles de l'autre côté parce que moi sinon je peux pas viser quand c'est de son côté. Attends, vas-y, descends. On va prendre un autre véhicule. Ouais, une voiture, ça va plus vite. Ah merde, par contre, je suis assez mal en point. Mais continuons. Oups. Ça sent le décès. T'aurais peut-être dû prendre l'artillerie, peut-être. C'est vrai. Merde. Merde. Mais non, pas coffre. Mais non, mais... Tu quoi? Vas-y, il prend non, des postures pour les du dragon là. Mais quoi? T'écris aussi? C'était quoi ce truc en plus? C'était quoi cette position? Parce qu'en plus c'est chiant, on peut pas y péter les roues, mais il faut tuer le pilote. Je vais essayer de tuer le pilote. En fait, il faudrait essayer de rouler ouais, devant, mais comme ça, moi par derrière, comme ça, paf 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 paf. Voilà, t'essayes de lui passer devant tout doucement, et hop, moi je. Voilà. Ah bah. Ah voilà. Merde. Ah bah attends, on va en profiter. Vas-y, pendant ce temps-là, ça me laisse le temps de me soigner. Ah bah tout le monde t'a repéré en tout cas. Vas-y, je les attends. Venez tâter de ma Gatling. Ah bah attendez que je me soigne. Par contre, le camion, il a pris une de ses postures. Attends. Reste dans le camion, j'essaie déjà de le sortir. Ouais, je pense que je les ai tous maîtrisés. Ah. En tout cas, apparemment, faut pas que le camion, il explose. Parce que je sous-entends. Ouf. Il va falloir... Faire attention. Enfin, après, je pense que c'est que du scénario, parce que ça dit, ouais, avec les batteries qu'il y a, il y a de quoi faire sauter tout le truc. Putain, mon joystick, il dit merde. Ah ouais, en plus, il y a des bagnoles qui vont nous... Ah non. Ah, c'est ça, je crois qu'il y a des bagnoles qui vont nous suivre. Oh mon dieu. La plus grande course poursuite de tous les temps. Ça, ils arrivent même pas pour suivre un camion. C'est pas comme si le camion il roulait vite quoi.
Ah, ils arrivent? Ah oui, mais c'est des mobs. Faut bien que ça... Oh. Pauvre faible. Ils font de la peine. Oula, logiquement, tu vas tout droit. Ça... Il faut la même heure. Il faut la... Attends. Aéroport. Il faut la même à l'aéroport, non? Oh. On voit en c'est plus. Deux... Ah non, il y a un point. Ah, c'est bon, c'est là. Parce que j'ai ah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, parce qu'il y a un convoi juste à côté avec des mecs à la mitrailleuse. Ah, ah oui, merde, c'est vrai. Eh, franchement, on aurait pas pu prendre meilleure route. Hein. Ouais. Voilà, on est bien arrivé à destination. Voilà. Tranquillement, sans aucun pet. Hey. Oh là là, ce swag! Il est où ce petit connard de Daigoro? Il est parti à South Camp Station voir sa sœur. Il y a un problème? Cherchez pas, je verrai ça directement avec lui. Ah. Bon, il aurait pas pu nous péter un petit hélico? Ouais, mais c'est où 15 km? Oh, regarde! Oh, si le transport un... rapide, je pense. Oh, bah regarde, hé, hey, regardez, il y a quoi à côté? Oh, 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 bivouac! C'est tellement rapide! En tout cas, le bivouac, il est bien prêt. Oh, on est sur une île, une petite île. Ouais, mais je crois qu'on est obligé de prendre l'hélico. Parce que je crois qu'on est en haut d'un machin, et après, il va falloir prendre l'hélico pour redescendre. Ouais? Ouais. Ouais, parce que je sais plus, il me semble que c'est un truc haut, je crois, c'est en hauteur et tout. Je sais plus si c'est celui-là. Mais il me semble que oui. Il me semble que ouais, c'est ça, c'est... il est en hauteur. Il est en hauteur et même je prends un hélico à chaque fois pour descendre parce que si tu descends à pied jusqu'au machin c'est trop loin. Ah oui. Enfin pour faire un parcours quoi. Le parcours. Le parcours. Non mais du coup là ça y est on est parti pour des heures. Attends je vérifie si tout est ok. Voilà c'est bon tout fonctionne. Je vais mettre un peu l'île basse. Bah de toute façon tu peux avec ton drone. Ah oui on va carrément être dans le creux du truc. Ah tu vois c'est pour ça regarde. On est carrément tout en haut. Et le ah truc, ouais. Et regarde le village il est tout en bas. Ah bah tout. On peut faire le grand saut. Ouais mais c'est dangereux à chaque fois de faire le grand saut là. Toi t'as un fifou dans ta... Bah toi t'as un fifou dans ta tête toi. Vas-y va en premier, c'est quelle touche déjà qu'il fallait appuyer? Attends je vais te le dire. C'est A, ah oui c'est A. C'est A? Ouais. Mon cul ouais c'était A. Je te jure c'était A. Putain. Alors c'est quoi, je suis trop gros. Genre moi j'ai couru et c'était A. Genre toi t'as fait un vol plané et tout tranquille. Moi ouais, y'avait rien, y'avait pas de touche. Après y'a pas des compétences à prendre, non? Bah je crois pas. Bah t'as fait quoi, tu sautes en restant appuyé ou tu cours ou tu fais un truc? Non j'ai couru, j'ai fait un petit clic. Un petit A? Mais non mais moi ça... Mais non mais moi ça veut pas. Attends. Est-ce que je peux me... Attends, bouge pas, je vais me re-téléporter sur toi. Moi je peux pas, parce que quand je cours, ça fait le truc de s'accrocher pour descendre. Attends, je vais recommencer pour voir. Je vais essayer de toucher sur aucune touche, voir si ça saute tout seul. Attends, si je fais ça. Là, si je cours, et que je fais... Ah ouais, non mais c'est... Merde. Oula, merde. Elle est morte à 2 cm. Tu es décédé? Non, mais laisse-moi mourir. Je peux pas mourir. Je... Apparaisse. Ouais, non, j'ai couru, j'appuie sur A. Attends, je... Parce que si t'appuies pas, si on appuie pas sur A, le personnage il saute pas. Si on appuie pas sur A, le personnage il saute pas? Ouais, mon personnage il a pas sauté. Ah, faut rester appuyé sur A! Putain! Ah non c'est ça, ah, parce que moi je l'avais fait sans rester appuyé, moi j'ai appuyé en même temps mais apparemment quand j'ai sauté j'ai eu le bon timing.
Ok. Bah attends, du coup, tu dois pas être bien loin là, non? Ah, je suis carrément dans. Oui, non, mais c'est bon, laisse-moi mourir, c'est pas grave. C'est la première fois que j'entends, vas-y, laisse-moi mourir, bah les couilles. Laisse-moi mourir, putain. Je peux même plus mourir, tranquille. Si je fais appeler coéquipier au bivouac, ça t'amène direct ou pas? Ah. Là. Attends, si je fais ça. Ah bah non, mais de toute façon, c'est ça, t'es ici. Bah attends, du coup, je vais j'allais juste mettre le machin et mettre, remettre les trucs de résistance là. Je crois pas que j'aille encore ah oui. Bonus. De toute façon, moi, ouais, c'est ça, moi, puisque je suis mort, je crois que mon bonus il a dû s'enlever. Ouais, c'est ça en fait, il faut rester appuyé sur A et avancer tout doucement. Ah, ouais, d'accord. Et après, ah ouais, tout à l'heure, j'ai eu le bon timing, j'ai fait tout en même temps, mais c'est peut-être parce que j'ai dû sauter bien au bord. Voilà, ressources. Par contre, c'est chiant, perso, il a tout le temps une gueule de. Des bras cassés, il a tout le temps du sang partout, des gros bandages. Ah non, il est encore. Ah oui, c'est bon, c'est parce que. Voilà, il vient de s'en mettre. Bah, du coup, je le saurais. Bah, parce que d'habitude, je fais jamais ça de sauter. Ah oui, ouais. Partager objet? Ah, dans le bivouac, on peut se partager des trucs? Ah ouais? Je sais même pas. Genre, imaginons si je fais. Imaginons envoyer. Bah, ça l'envoie pas. Eh? D'accord, éclatez le bordel. Hein. Un peu cool leur truc. Ils sont gentils, mais ils sont pas comme nous. Ouais. Attends, je vais me racheter des bandages. Voilà. Ils en ont enlevé des personnages à acheter parce que je me rappelle avant il y en avait plus. Ouais, mais des personnages à acheter, je pense que c'était dans. Il y en avait beaucoup aussi, c'était dans l'autre. Ouais, ah. Parce que dans l'autre, je me rappelle qu'il y avait des personnages de Rainbow Six, il y avait des personnages de. Oui, c'est vrai. Ouais, que là, je crois que non, ils ont plus été changés en vêtements. Comme t'avais vu l'autre coup, là, avoir Sam Fisher jeune et tout, machin. Oui. Même pour ce truc-là, je crois qu'ils en ont enlevé aussi. Parce qu'avant, dans le pack Sam Fisher, t'avais. Je me rappelle, t'avais Grimm, la gonzesse, là. D'ailleurs, qui y est plus, ils l'ont enlevé. T'avais il y en avait d'autres, je crois, Ouais, bah après, je sais que dans celui-là, tu peux avoir certaines choses en faisant les missions. Donc ça se trouve, quand on sera aux missions de Splinter Cell, Ah, ça tout se ça, tout trouve. ça, il y en aura peut-être. Mais du coup, faudra avancer jusque-là. Mais d'ici à ce que On toi, va tu arrives là, avancer. il va falloir déjà Mais avancer, quoi. non, mais c'est bon, si on se met à jouer à Ghost Recon et tout, ça va le faire. Oui. Après, si tu passes pas ton temps dans la boutique du bivouac encore, hein. Parce que là, je suis sûr, là, je regarde pas ton stream, mais là, je suis sûr Là, que. t'es prêt là? Bah oui, parce que regarde, moi, c'est marqué Ah prêt à bah, lever le camp. je t'attendais depuis tout à l'heure. Mais non, tu mens. Je te jure, j'attendais. C'est vrai? J'étais en train de toucher sur rien. Sur rien du tout. Bah oui, parce que j'avais mis prêt à lever le camp. Ah ouais, je l'avais pas vu. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Ah, cette fois-ci, faisons le vrai grand saut. Alors. Normalement, il va y avoir un truc là, machin. Et... Non! Oula! Oula! Je voulais En juste plus, je t'ai rester vu te appuyé. téléporter. Ah oui, il a Voilà. pulvé son gros cul. Oh non, il est mort! What? Oh, faut appuyer sur A direct! Ah, oups. Mais non! Mais non! La chute d'un homme! Ah merde, ça c'est parce que t'es trop lourd. Du coup, t'as préparé tout en bas. Ah ouais, du coup. Hey. Il t'a empêché de refaire le grand saut. Ouais, tu vois, toi tu faisais un machin et tout, mais moi il me suffit juste d'un chargement et ça y est, je suis arrivé. Ça, c'est une attitude de beau gosse, ça. Tu vois, moi ce qui me fait plaisir dans le jeu, c'est de recevoir des 250 scales alors que les trucs coûtent 80 000.
Ouais, bah après moi c'est vraiment ce que je trouve le gros défaut du jeu. Après je sais pas si dans les autres campagnes on gagnera plus. Mais par contre dans celle-là c'est horrible. C'est trop long pour avoir un truc. L'autre t'achètes, l'autre tu obtiens des scales, l'autre il te faut je sais pas combien de temps de farm de scales pour obtenir un machin. Ah ça me fait plaisir ça. Ça c'est beau ça. Ah non, y'a un mec qui va tenter d'enculer un cerf. Mon dieu. C'est dégueulasse. Une cinématique va commencer, vous voulez la rejoindre? Bah oui, parce que du coup je sais pas c'est quoi. Où est ton connard de ah non, elle va faire un j'habite. Ah j'habite. Nomade. Est-ce que ça va? Oh, ah oui d'accord. Attends, vous êtes du parce que moi je vais pas d'avance. Un chat vite. C'est vrai. T'aurais pas pu prévenir avant de m'envoyer poursuivre un camion plein d'explosifs. Où tu voulais que j'y reste? C'est ça? Et c'est quoi ces plans? T'es ingénieur à mi-temps ou t'as fait sauter une bombe à la gueule de 30 types? Lui fais pas de mal. Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Me dis pas que l'idée venait de toi. Non, attends. Vous êtes des putains de terroristes qui ont essayé de me buter. Il a paniqué, ok? Ça arrive. Ça, c'est des mensonges. On était sûr que le bâtiment serait vide. Ouais, mais on a failli quand même y rester, Briggs. En plus, ils disent, ouais, vous avez essayé de me buter, mais pour nous, c'était easy. Il y avait pas quelconque danger. Oui, mais je sais plus si c'était à quel machin. Parce que ça remonte à loin, je crois. Non, je crois que c'est dans une des missions, je crois, qu'on doit faire et qu'on doit se barrer, je crois. Ah! Et en fait, nous, on était sur place. Ah oui. T'as pile colle là-dedans. C'est parce que je crois... Ah ou alors non, c'est parce qu'ils ont buté des civils. Je sais plus c'était quoi le truc. Elles ont tout fait péter. Ah oui, c'est Torchman. Non, quand tu donnes les trucs à l'avance du coup. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai oublié. Torchman. C'est Torchman. Non mais qui sont en train de cramer. la chute d'un mur. Alors, en tout cas c'était c'est pas des petites bandes de Fiat hein. Parce que dis pour faire tomber un bâtiment comme ça. On était sûr que le labo serait vide. Sauf que nos infos étaient bidons. Ouais, bah là, ils étaient plus que bidons, moi. Vous êtes des abrutis. Et le reste de votre groupe aussi. Bah, toi, les ordinateurs, c'est intelligent. Tu tapes sur Google, tu trouves tout. Des ordinateurs plus intelligents que nous. Ah, moi, j'adore ce personnage qui est si cash. Mmh. C'est elle qui vous a fourgué les plans. Non. Vous êtes des abrutis. Tintin! Daigoro a compris comment transformer sa cellule énergétique en engin incendiaire. On lui a caché. En même temps, on croit un père qui. Enfin, moi, pour moi, ça fait comme si un père ou une mère qui parle à ses enfants. Paula est trop. Il doit apprendre la vie. Vous allez toujours nous tuer? T'as mis quoi, toi, du coup? J'ai mis le troisième. Vous avez tué 30 innocents. Ah, moi la dernière fois c'était l'enfer et pavé de bonnes intentions que j'avais mis. Ah. J'ai vraiment envie de te tailler en pièces. Mais j'ai besoin de toi contre Sentinelle. Ah. T'inquiète, on saura ce que vous avez fait à Harouille et toi. Commando. Demande-lui pardon. Parlez à Madera ou Chiwa. Voilà. Oh, il y a toujours mon cerf. Je sais pas si tu le vois, toi. Ah oui, là. Je te connais, regarde. Il fait quoi?
Il était déjà à terre avant la cinématique. Ah, ah, t'es bloqué. Il est toujours là, le CR. Ouais, personne m'arrête. Ouais. Ouais. Non, je ferai pas parce que c'est pas très vegan tout ça, si je tiens. Il a pas envie de facile. C'est ça, laisse-le dans son délire. Ouais, mais je crois que normalement ça rapporte de la bouffe, je crois. Ah, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Non, on en a pas besoin. Mais c'est pour le farm. Bon, ça va. Dans mon Star Hunter, il faut, faut bien tuer 40 fois le même mob pour avoir un vêtement, personne derrière. C'est vrai. J'ai un truc à vous dire. Harui et Dagoro. C'était eux l'attentat de Skelltek. J'ai entendu les rumeurs. Mais Harui et Daigoro ne feront pas. Ah non ça. Notre personnage, il est Harui et Daigoro machin. C'est eux les machins. Et elle, ah oui, Harui et Daigoro. L'autre a plus des accents. C'est quoi ça? C'est pas ce qu'ils voulaient. Mais ils l'ont fait. Oh mon dieu, séquence émotion. Le front avec nos personnages. Mais en plus, le bien, c'est que ça fait marrer dans ces jeux-là parce que c'est séquence émotion et nos personnages ils ont aucun. Aucune vie sur le visage. Non, mais c'est surtout marrant, c'est que c'est. Ouais, machin, le prix d'une vie, machin. Machin, machin. T'arrives derrière, tu tues 250 ennemis, coup de rafale, t'exposes l'hélicoptère. J'avoue. Tu mets des pleines têtes et yes, en pleine tête. Oui, et en plus, ce qui fait marrer aussi dans ces jeux-là, c'est que les machins, ils sont. Ouais, vous avez tué 30 innocents, machin. Alors que toi, des fois, pour rire, tu sais, on peut tuer des innocents en leur tirant dessus, en faisant n'importe quoi et tout. Mais ça, personne derrière. Moi, je suis désolé, mais moi, je fais pas ça, moi. Oups, alors, je vais être le seul. C'est pas moi qui, dans Fallout 3, essayais quand il y avait des enfants de leur tirer dessus à coups de lance-roquettes. Parce que je rappelle que les enfants sont invincibles. Mais oui, c'est ça, ils sont invincibles. Je sais ce que Jace a fait pour mon mari. Et je sais ce que Harui a fait de ma technologie. Ah, ils sont encore à la séquence émotion. Putain. Allons voir Jace. Ce visage. Le visage des enfers. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je sélectionne Oui, ou alors il va falloir qu'on retourne peut-être à New machin, peut-être. R.I.1, là, je sais pas quoi. Là, ça dit entrer dans l'hôpital de roi. Roi, roi. Roi, roi. Hôpital de roi, roi. Attends, elle est où l'hôpital de roi, roi? Ah non, de roi. Et c'est de roi, roi. Ah non, en fait, il y en a plein qui sont apparus comme ça. Ah ouais, ok. On doit aller à Roi, Roi. Bah écoute, je vais prendre le bivouac à côté. Hein. L'hôpital de Roi, Roi. Non, en plus de ça, il faudra que tu fasses un test avec moi cette semaine. Pour la caméra, Skype, tout ça, donc il faudrait que tu refasses revivre ton PC un petit peu. Ah. Dangereux. Ou au tout du... Ah oui, bah non. Ou au moins que t'ailles de la batterie à ton téléphone, quand on le fera. Ah oui. Parce que j'aurais bien voulu tester, voir, tu sais, pour Skype, tout ça, pour la vidéo, si tout fonctionnera bien. Comment on fait pour voir si nos bonus et tout ils sont toujours Ah oui c'est bon, en bas. Non. Putain, moi je sais qu'il allait me faire sauter. Ouf, c'est loin tout ça. Peut-être mettre le bivouac et prendre un véhicule quand même, non? On a pas de véhicule dans le coin? Ah, y'a un signe de véhicule là, sa mère là. Bah, le seul qui est tout près, c'est le 4x4 là-bas, là. Là où il y avait les ennemis. Ah ouais. Il faut taper les ennemis, du coup.
Oh, c'est facile pour nous les ennemis. Ils vont être deux. Ah bah attends. Quand même le saut. Ah j'en ai bouffé le... Ça servait à rien ce que j'ai fait. Merde attends. Comment on sait pour faire le zoom? C'est pas les flèches? Merde. Pour deux. Ah non trois. Ah. Attends, j'arrive du haut de mon... Hop, voilà. Attends, j'arrive. Hop. Ce grosse mitrailleuse. Par contre, normalement, c'est faut pas arriver silencieusement, je pense pas. Ben, on y va la bourrin en mode grosse paillette. Tu veux qu'on y aille, qu'on fasse des fois qui je te poids, 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 poids. Ah ouais. Ça, t'as la mitrailleuse comme ça. Si on va là-bas, il y a du monde. Tu nous embarques où frérot? Attends juste que les petites voitures passent. Yeah ah, ah putain. Avance en crabe en plus. Vas-y, on y va en mode patinier, t'as la grosse mitrailleuse. On les défonce. L'entrée elle est là je crois. Vas-y vas-y vas-y. Là regarde, elle est juste là, juste à gauche entrée, voilà. Oula. Poussez-vous s'il vous plaît. C'est beau. Non, c'est trop près. Ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Monsieur Gatlin. Et madame Bastion. Bah, écoutez, si on vous dérange pas, nous on passe hein. Ah, il y avait une info. Juste là. Ah oui. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe? J'avoue, on est arrivé, on a le balai couille. Mais. Merde, ah voilà. Non, parce que du coup, fallait que je me tienne à distance parce qu'à cause de la voiture, j'arrivais pas à prendre le. Voilà. Trouver le mari. C'est tout ce qu'il fallait faire? Non. Ah oui, non, ça va nous ramener de point en point, c'est ça, je crois. Ah, y'a un ennemi? Non mais tu vas me faire croire que de tous les ennemis qu'il y avait sur la planète, il y avait juste un mec à la Gatling, putain. Non, c'est pas là. Non mais du coup, il y a plus de points de quête là. Si, si, regarde. En fait, on est dans la zone, il faut trouver à chaque fois des infos. Ah oui. Là. Ça nous a dit qu'il fallait trouver un plan pour trouver l'étage. Merde, bâtard. Ah, ok. Un mec est en train de m'exploser, je suis à bon. Tiens. Ah. Oh. Tout c'est Ah c'est tous les points d'exclamation, c'est le truc de la mission je crois. Ouais, parce que je voulais juste te prendre un plan. Voilà. Ouais, Dara est admis au centre de machin. Ok. Du coup, faut monter. Ah, il y a l'étage. C'est quoi l'autre mission là qui est à côté? Si vous les voyez, ouvrez le feu. Merde, je peux pas accéder. Merde. Oh 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 oh. Ça tire. On veut nous faire du mal.
attends, je regarde juste, je vois qu'il y a des impossible de parler en combat. Merde. Bon bah tant pis hein. As-tu trouvé la zone? Là. Moi j'ai trouvé où c'est, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher? Trouver le mari, toujours. Ah, consulter Intel, blablabla. Voilà. David Madeira a été transféré au centre. Et là, du coup, c'est à 800 mètres. Aller voir là-bas. Ah bah du coup, on peut repartir de par là où on est venu. Bah ouais. Hop. Là, il y avait gentiment. Partir gentiment. Voilà, nous on est arrivé, on n'a pas fait d'histoire. Hein. On est rentré, on a fait bonjour. Voilà. Je vous en prie, monsieur. Ça veut pas à chaque fois prendre les gars. Ah, attends. Et je te laisse descendre. Faut que t'ailles au derrière. Enfin, faut que t'ailles vers le fond pour monter dans le tartier. Voilà. Alors. Ah. Oh 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 oh. Ça a chicoté tout ça. Le fifou. Encore un fifou. Alors. Easy. Je ne pense pas à lui, Eji. Hein? Ah, il y avait des petits mecs là-bas. Ils vont pleurer la mort de deux de leurs potes. Les mecs, tranquillement, se sont fait rafaler. Ils ont rien compris. Ah, merde. Bonjour. Ah merde, y'a un sniper là-haut. Attends, vas-y. On va pouvoir l'avoir avec la Gatling. Ah, mais par contre, tu l'as pas loupé. Bah écoute. Enquête. Un bivouac. Non, moi les bivouacs, à chaque fois je les découvre comme ça. Ah bah moi aussi, de toute façon. Hein. J'ai envie d'aller les chercher. Non, ça vient du jeu, j'entendais un bourdonnement, je me suis fait merde, je suis un insecte. Ça c'est joli, mais ça doit coûter une blinde, ça, en vérité. J'avoue. Des murs qui rejettent l'eau et tout là. Ah, je pense que ça c'est pour les riches. Non, non, non. Un petit circuit, puis c'est bon. Hein. Un petit RSA et puis hop. Comment ça? Je me suis fait repérer. Ah. Il est mort. Il est plus très bon. Il est pas mort, il est vivant. Comme on dit les gens de Resident Evil. S'il est pas mort, il est vivant. Il est pas mort, il est vivant. Sans blague. Ah non! Le mec, c'était limite, il était rentré en doigt. Alors. Vous ne savez pas qui on est. Nous sommes des gens de la haute société. Mmh.
Ah mais on va le trouver à un moment donné. Hein. Oh. J'aperçois plus rien du tout, je pense. Comment ça? Ah, parce que j'aperçois un ennemi. Et il était ça au moment où il est en train de mourir. C'est en bas. Ouais. Vous avez le moyen de descendre? Ouais, ouais, c'est bon, c'est sur les côtés, regarde. Là où je suis. Ah, petit coffre là. Pardon, mesdames et messieurs. J'aime bien, tu sais, il y a plein de scientifiques et tout, mais le mec il a décidé, il n'en sauverait qu'un seul, il s'en bat les couilles du reste. Allez les gars. Mais vous avez de la chance d'être des civils, hein. La vérité est vraie, hein. C'est tout ce que vous êtes des méchants. Ah, mais regarde là, elle par exemple, c'est une civile et tout. Pas dans la tête. Ah non, je travaille avec un psychopathe. Non, mais Baptiste, ça va pas? Ah, mais si, je suis très net. N'importe quoi. Tu te rends compte quand même de ce que t'as fait? Non. Je pense qu'elle avait des mauvaises intentions. Je pense qu'elle a dû tromper son mari ou des trucs comme ça, je pense. On va dire ça. Qu'est-ce que ces trucs là? Focus. Bah faut savoir, focus ou pirater? Voilà, faut pirater à un moment donné. Ah. Je vais focus et pirater qui apparaissent en 2 secondes. Ouais, tu veux dire qu'il y a des mecs dedans? Non. Je crois que ça doit être un délire comme ça, je crois. Hein. C'est une sorte de cercueil moderne. Dans la cryogénisation. Des lois du marché. Objectif atteint? Hein? Alors, y'a. Elle se trouve à machin? Parler à. Ah, focus. Il y a qu'il est mort? Non. Empoignez un soldat et amenez-le vers la porte biométrique. Ah merde! Ah. L'autre que j'ai tué, il doit être en haut des marches, je crois. Ça dit un soldat, je crois. Ouais. Y'en a un, ouais, là. Viens là, mon petit. Allez, viens là, mon petit. Allez, viens là, mon copain. Ah, c'est pour ça qu'il me faisait un focus sur la fameuse porte. Puis là, je dois sprinter parce que je crois que si je sprint, ça le lâche, je crois. T'es sûr? Ah oui, je crois, ouais. Ouais, 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 ça le lâche. Ouais. Là. Normalement, la porte devrait plus bouger, je crois. Des pièces métalliques, bonjour. Nous avons démonté tout ça. Ah, attends. Ça ramène par là, par où ça? Une autre porte. En avant, Guingamp. Ah. Ah bah la sortie. Ah bah c'est allé de l'autre côté. Non mais c'est bon, du coup tu peux dégager. Non, il va peut-être encore nous servir. Hein. Parce que? Non, parce que je vois qu'il y a un autre coffre là derrière. Là-haut? Ouais mais il y a d'autres corps là-haut. Du coup j'ai pas besoin de me le travailler. Ah oui d'accord, il est là-haut. À la fois en haut et à la fois en bas. Ah oui, non, derrière, peut-être. Il y avait de la place derrière. Ah oui, dehors. Par ici, peut-être. Ah, voilà. Pour obtenir le petit coffre. C'est des sous, ça. Ça va être des sous. Oh, 500, putain. Du coup, il faut retourner
Ouf, à 5 km des poussières. Y a pas un bivouac? Ah bah c'est au bivouac qu'il faut aller. Ah bah. Non, pas du tout, non. Le colonel Mitchell, non, rien ah à non, voir. il faut retourner. Ah non, il faut retourner au camp. Sur l'île qu'il y avait là-bas, en bas. Là où il fallait faire le grand saut. Attends, c'est sur l'île. Sur l'île. Bah oui, mais putain, moi j'ai maintenant j'ai plein de trucs de écouter le briefing de Scott Mitchell, putain. Ah merde. Ah oui, là, je la voyais pas, voilà. Voilà, j'arrive à ça. Quand tu vois, je suis paumé comme ça, hésite pas à faire appeler le groupe. Ah oui. Comme ça, je serai un peu moins paumé. Non, cette fois, tu vas peut-être réussir ton tour. Non, mais là, c'est bon, hein. Maintenant, ça y est, j'ai compris la technique. Maintenant, tu vas pas compris, oui, mais t'avais compris la technique, mais sauf que t'avais ouvert ton parachute peut-être un petit peu trop bas. Bah non mais moi je me suis dit, tu sais ça ouvre le parachute direct, ah oui. Le mec il est là, il met sa main, il prend son temps, ah bah oui bah j'ai le temps de mourir 10 fois. Hein. Par contre il fait nuit. Retiens la nuit. Et ben on est parti. Yahoo. Ah non, il est plus là, elle sert. Attention, voilà. Bien valu. Oh. Et voilà. Ah non, c'était le retour du cerf, non? Ah le retour du cerf. Il était là. Oh. Mais je l'avais vu. Ah, je l'ai vu le ouais, cerf, je suis sûr. C'est pas vu. On va parler à... Ah, il va revenir. Il va revenir à un moment donné. Je crois en lui. Où étiez-vous? Bah, chercher ton mari au cadavre. J'ai vu votre mari. La tête. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai découvert le centre éternel. C'est le cercueil moderne. Fouillant les cercueil futuriste. J'ai trouvé ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Jess finançait les recherches d'un remède pour David. Il n'a pas arrêté. Même après votre départ. Parce que... Pourquoi? Vous savez, Jay sait peut-être bien des choses. Mais il reste votre ami. Un simp, nous on les appelle. Un cuck. Cuck. Et moi, qui fais comme si mon mari... Bon Dieu. Ouais, peu importe, on s'en bat les steaks, moi je dis. Tout va s'arranger. Moi j'aurais remplacé peu importe par. RAB. Non, RAB. Rien à branler. Je dois gérer les habitants de Roi. Ah, parce que c'est pas tout ça, mais nous on a des guerres et tout ça à faire. Nous on est là, on est déterminés. Nous on a une île à sauver. Non, tu déjantes. Pendant que vous êtes là à faire pla pla pla, c'est il y a des gens qui ont besoin de nous. Maintenant que je sais ce que tu alors hop hop hop. Je sais où je dois aller. Mais bon, pas parce que Yatangaki. On a terminé l'émission avec elle là parce que ah, tu vois, je le savais. Je savais, yes. Ah. Je savais que je pouvais y faire confiance. Il est revenu. Il est revenu. Ouais, un peu plus lent, mais il est là. Il est là, mon poteau le cerf. Il me comprend. Ah oh non. Ah non, je crois que c'était une cinématique. Regarde, il est là, mon poteau. Ah oui, il est revenu.
Au contraire, moi il est plus rapide dans mon écran. Ah bon? Ouais. Tout à l'heure il était lent par contre. Tout à l'heure je le voyais lent. Ah bah tu vois, ça fait l'inverse. Moi tout à l'heure il était rapide. Alors que là, moi il est lent. Par contre, il faut reparler à l'autre. Bah oui, parce que du coup, je crois qu'il va falloir l'amener à RE1, je crois. Ah, vous pouvez pas directement tout nous dire en une seule phrase. Bah non, du coup, parce que ça aurait relancé une mission. Ouais. Donc du coup... Vous vous remettez vite. Oui, mais pas mon orgueil. Tu veux bien m'expliquer, Paula? Tu pars avec Commando? Rejoindre Skell? Ah non! Avec Commando, putain. T'es servi mon travail pour tuer. Ça, je n'ai pas le choix. Jay Skell est un putain de monstre. Et toi alors, on en parle? Regarde ce que t'es devenu. Je suis devenue la personne capable de mener ce combat. Et toi, t'abandonnes? Non, je choisis mes batailles. Quand vous voulez. Non, attends, Sentinel Corp. On a découvert qu'ils ont 3 de tes batteries. Ils ont appris à les transformer en explosifs. Ils ont déjà plein d'explosifs. Oui, peut-être, mais pas de cette taille-là. On peut les placer dans des petits drones pour faire d'énormes dégâts. Sentinel Corp compte les déclencher dans le quartier des loisirs et nous faire porter le chapeau. Une opération sous fausse bannière. C'est du stone tout craché, ça. Ouais. Reste. Et on va arranger ça ensemble. Non, faut non. Pas. Faut pas écouter. Dis-moi comme où ça ils sont là. Et je m'en occupe. Non, okay. Mais les larbins. Je viens avec vous. Mais tu vas servir à quoi? Je veux les détruire. Mais tu vas rien détruire. À rien. La dernière fois qu'elle s'est frottée à quelque chose, elle s'est fait couper le cul par un drone. Elle, on peut dire qu'elle a demandé du zouk, hein. Parce qu'elle demande du zouk. Ah bah écoute, ils nous disent de prendre un hélicoptère. Comment ça? Directement. Ah mais pourquoi c'est moi qui me trimballe l'autre clochard là? Parce que t'as un personnage d'un homme viril. Non. Je peux me la trimballer moi, ça servira à rien elle. Ouais. Hélicoptère? Mais on peut monter qu'à deux là-dedans. Tu crois qu'on va survivre? S'ils nous disent de le prendre, je pense que on va pouvoir pas monter hein. Ah non. C'est-à-dire que je vais devoir y laisser la place. Bah c'est surtout qu'il faut que tu descendes, que tu prennes le contrôle. Et moi du coup que je prenne un autre hélico du coup. Bah te suis toi, donc tu ferais mieux de prendre l'hélico. Ah bah là, y'a deux hélicos. Bah oui, c'est pour ça. Ouais, bah vas-y, je prends l'autre. Ah mais par contre, c'est pas à moi de me la travailler, elle, hein. C'est pas juste, hein. Moi, je l'ai fait dans ma bien, partie de me travailler. Mais non, mais ça, c'est parce que tu prends pas tes responsabilités, viens là. Prends tes responsabilités, toi. Non, c'est pas mon problème, c'est mon problème. C'est ta pote, c'est pas la mienne. Mais putain. Oh. Oh, du coup, c'est du coup, gros. Oh. Là, si elle reste avec toi, c'est peut-être qu'elle a envie de te draguer. Oui, bah oui, super. On n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez armés. Merci pour les canons empoisonnés. Hein. Dis toi, t'es pas tout seul. Mais après faire Zuki avec des machines, tout ça. Parce que tu dis qu'elle se fait découper le fiac. C'est vrai. Bien. Ah, je fais couper le cul. Alors. De toute façon, on va falloir sûrement, je pense, tirer sur des trucs. Je pense, hein. À mon avis, tout va pas être banni à des hélicos et tout. Déjà? Ah. Ah, en ce moment-là, moi, je peux aller détruire les trucs, c'est ça?
Ah oui, voilà, pendant que je détruis les conteneurs et tout, machin, toi tu peux... Oh oh. Merde. Ah ouais, je crois que ça marche bien, hein. C'est bon, on peut repartir. Ah mec, d'archi loin, ah, faut repartir, ah ouais. Genre, il me touche d'ici. Ouais. Ouais, mais j'ai l'impression que du coup, toi, il te touche plus facilement, parce que du coup, avec la... la manix, vu que t'as de meilleures performances... Parce que moi, limite, ça dépasse 1 km, ça y est, j'en entends plus parler des mecs. Hein. Ah. Bonjour. Bonjour, Delma. Bon, maintenant, il faut que je trouve. Ah, bah, d'accord, ça a indiqué directement. Mais qu'est-ce tout ça? Ah, bah, voilà. Ah, voilà. C'était rapide tout ça. Par contre, t'as de la chance que moi c'est des vieux missiles téléguidés dégueulasses. Là. Ah non, ils vont me tuer. Pourquoi? Non. Ah, je suis tombé bien bas là. Voilà, je descends bien bas là. Ah bah, je... ah bah mort. Ouais, Dambé. Ouais, mais putain, ils m'ont, limite, ils m'ont mis 2 balles. Mais en même temps, moi, l'hélico, il est pourrave. Parce que moi, tu sais, c'est un système de téléguidé à la con. Ah ouais. Donc c'est moisi, ça. Enfin, ça fait un té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 t
Au lieu de tirer à toi avec ton lance avec tes lance-roquettes, peut-être qu'il est coton là. Ça, ça sent les ennuis. Un hélico juste à côté. T'as de la chance que je peux pas te tirer dessus. Non, je peux pas y tirer dessus, salaud. Ouais. Le pire, c'est que moi j'ai pas des trucs tagués, donc du coup pour les choper, c'est. Ah. Ah, mais l'autre, de toute façon, c'est pareil. Hein. Puisque de toute façon, il n'y a pas de. L'autre, c'est téléguidé, mais t'as le droit qu'à deux tirs. Et s'il sort du truc, c'est mort. Voilà. Ouais. Ah. Ah. J'ai plus ça gère qu'autre chose. Hey, le combat des, des supercoptères. Voilà. Ah, tu vois, quand on veut, on peut. Hein. Ah, par contre, il y a d'autres supercoptères qui arrivent, du coup. Faut peut-être se barrer, non. Ah, ah oui, non, tu sais ces trucs-là ou pas. Il faut se rapprocher un peu plus, je crois. Hein. Parce que là... Ah. Voilà. Oh. C'est un one-shot, mon gars. J'ai eu. J'ai tiré directement sur le pilote, il est mort direct. Attends, par contre, là ça bouge un peu trop là. Oula, on croirait que je suis bourré. Ah, amateur. Amateur. Amateurs. C'est une mission accomplie. À moi les trésors de Kellogg's au chocolat, putain. Tous les petits loups. Hello. Hello le daron. Ah, il y a le daron, fais-y des boujoux. Mon père qui dit tous les petits loups. Ouais. Bah tu diras du coup tout beau vieux loup. Tout le vieux loup. Bon, YouTube, tu vas avancer là au bordel ou... Je crois que c'est l'hélicoptère qui avance pas. Mais non, mais c'est normal, c'est parce que t'es en l'air. Il faut que tu rases le sol pour que t'aies l'impression d'aller plus vite. Oui, c'est ça qui m'embête. C'est juste l'impression qu'il allait plus vite. Le vieux dans le monde, moi. Moi, l'ancien, l'ancien. L'ancien, l'ancien, le dinosaure. Le dinosaure carrément, Denver. Denver, le dernier dinosaure. Et là tu pourrais même chanter c'est mon daron est bien plus en... Bah non, pas plus en... Non, 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 c'est mon daron est bien plus en... Là. En toute amitié, en toute amitié. En toute amitié, tout honneur. En tout bien. Va falloir qu'il parle, je crois, pour lancer la cinématique. Je le fais parce que sinon... Demain on y est encore. Salut. Ravi de te voir en un seul morceau. J'ai recommencé mon jeu avec tous mes avantages. Quel jeu? Pourquoi tu ne m'as pas dit ce que tu faisais pour David? Remnant qui parle, non? Je sais pas. Je ne voulais rien dire. Remnant, t'as recommencé Remnant? De quoi avec tous tes avantages? C'est quoi les avantages? Bon. Ah, tu veux dire que t'as recommencé le jeu, mais avec en gardant ton personnage tel qu'il était? Enfin... C'est mon ami. Ouais, mais t'étais près de la fin, là. Ouais, tu l'avais fini. Écoutez, ça a été un peu intense pour moi. Je ne suis pas habituée à ce qu'on me sauve la vie si souvent. Non.
Ah merde, bah t'étais près de la fin. Hey, je suis avec vous pour le meilleur et surtout pour le pire. Merci pour tout, Nomade. Ok, on va réparer mon merdier. Ça fait longtemps, t'aurais pu presque le terminer. Alors en fait, je coince un peu sur toute l'architecture. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Bon, et bien au travail. Moi, Geoffrey, je trouve que j'ai scale, il te ressemble. Regarde sa tête. Il y a rien qui passe de moi. Bah si, si, il y a juste à mettre des lunettes. Et bon, après, la coiffe, faire une houppette sur le devant, ça y est. Vous ressemblez. Non. Hein. Pas du tout. Comment tu peux dire ça? Il lui manque de la barbe. Pour ça, je débloque le reste qui est à faire. Le reste qui est à faire? Bah, de toute façon, débloquer, t'aurais pu débloquer de toute façon les trucs dans la première partie, je crois. Tout est parti en couille depuis l'arrivée de Sentinelle. Ah, je suis niveau 31. Bah non, ça s'arrêtait pas à 30 le niveau. Non, bah, du coup, j'ai remarqué moi aussi que maintenant c'est augmenté. Ils ont dû augmenter les niveaux. Ah! Parce que même moi aussi, j'ai gagné des niveaux. Oula! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Deux. Le bruit là? Ah, c'était le loup, c'est Audrey qui est parti. Ah, c'est parce qu'elle est partie! Je sais pas, le bruit était bizarre. Ah, ouais. Ça faisait des ch-ch-ch en même temps que des. Ouais, elle est où là? Chelou, il y a quelqu'un qui crève en arrière. Bah, du coup, puisque du coup on a terminé la mission de l'autre, là on va passer à d'autres missions. Bah, j'aurai le temps de faire une perso. Dernière mission. Ah ouais? Okay, ouais, ça marche. Bah, écoute, je vais. C'est vrai qu'on a commencé à jouer un peu tard aujourd'hui. Mais bon, j'étais en train de travailler sur mon jeu, du coup. C'est pour ça. Moi. Pas grave. Bah, au moins on a terminé cette truc à elle. Bah, on va faire directement. Bah après, ah oui, bien, je peux pas voir ton tableau. Il y a Rose, ou alors Silverback, ou alors Flycatcher. Vas-y, choisis-en un. Flycatcher, tiens. Le manoir. Singe de la sagesse 2. Singe de la sagesse 2, c'est-à-dire qu'on en a fait un 1. Ah, sûrement. Ah bah oui, c'est Flycatcher, c'est oublie pas. La première mission, c'était celle avec bah avec elle. Qu'elle s'était fait découper l'arrière. Ah bah oui, c'était de drone. C'est pas ça. Je suis un nul, mais j'aime ça, Warza. Alors. Pourquoi il aime ça, Warza? Ah non, c'est. Je suis un nul, mais j'aime ça, Warza! Oh, tout de suite! Loulou, tais-toi! Nul. Oh! Non, bah, moi dans Remnant, là j'en suis à l'autre, là, celle qu'on avait galéré à tuer, là, la. Celle en bleu, là, le. Qui tue en un coup, là! La tisse nuit là ou je sais pas quoi. J'en suis à elle. Et tout seul c'est un peu showtime. J'ai essayé de la tuer tout seul. Pouah, c'est trop chaud. Bah faut faire un peu d'effort aussi dans sa vie. Quoi. Faut faire un moment donné. Bah j'en ai fait. Ouais. Vous débrouillez seul au lieu de toujours compter sur les autres. Voilà, c'est ça, c'est le problème de cette génération. C'est que vous attendez toujours que quelqu'un vous le fasse à votre place. Où vous êtes. Quoi? Alors que le boss ou mon père est on devait le tuer là où en fait le mec il est mort dans une cinématique. Bah, ce boss là par contre moi tout seul je l'ai bien tué. Je l'ai tué, il était en trois fois, en trois achats, mais je l'ai tué. Pas d'excuse. Un homme n'a pas besoin d'excuses. Par contre du coup on a plus nos bonus. Ah bah. On va remettre tout ça.
protection résistance aux blessures. Ça fait toujours plaisir. Inviter jusqu'à 3 amis en utilisant la version d'essai. J'en ai marre d'être vieux, je vais être jeune maintenant. Oui, parce que je suis bon. Écoute, tu peux être jeune. Ah, juste le corps, malheureusement, qui suivra pas, mais... Ah, c'est comme nous, si on disait qu'on voulait être vieux et tout, on l'accorde à de jeunes et tout. Voilà, voilà, ça bah, de toute façon, non, moi je suis après, déjà, je peux vieux, moi je suis mature. Déjà, moi quand j'avais 3 ans, j'étais haut. On me doit le respect. Déjà, j'avais du charisme quand j'étais petit. Attends, parce que j'ai failli me vomir dessus. J'espère que c'est pas de moi dont on parle. Hein. Si, si. Et ça se dit ami, hein. Non, pas ami, connaissance. Pardon? Ah, j'ai dit quoi? Moi, j'ai rien dit. Vas-y, m'adresse pas la parole, Wes. Ah tiens, prends l'hélicoptère. Bah, tu es déjà, ouais. Quand je pense à Fernande, je bande. Ah, oh oui. C'est quoi ça? C'est l'ancien. Ah oui. Oula. Attends, je crois qu'on s'est pas fait des amis, je crois. Ah. Je pense qu'ils ont vu un hélico passer, ils se sont dit, oula, c'est les emmerdes. Oh non. Planque-toi. Je crois qu'ils arrivent. Oh. Ah, je sais pas, parce que j'étais à peine debout. Bon, je vais prendre une autre position. Ah, avec là. Ah. Quand je pense à René, je reviens. Wouah. Comment ça? C'est pas la vie quand je pense à René, je reviens. Wouah. Je reviens. Est-ce que je dois prendre ça bien ou... Je sais pas du tout. J'ai l'impression qu'on se moque de moi. Alors. Ah non, on peut voir l'intérieur. Si je descends mon scan là. Ah, il est juste là. Bon, y'a pas grand monde hein, en vrai. Non. Il a le dos tourné lui ou pas? Est-ce que je peux m'approcher de lui? Lequel? Oui, derrière la voiture. Est-ce que tu peux faire le truc, c'est le truc de tir synchro pour le sélectionner que je voyais? Ah, lui. Non, pas du tout. Pour que tu sois dos vers lui, il faudrait que tu longes le long du bâtiment ici. Surtout reste bien accroupi. Ah, attends, je regarde s'il y a personne d'autre. Normalement, il va y avoir personne. Et normalement, là, tu peux le choper. Là, il est de dos, là. Allez. Ouais mon gars. Il l'emmène comme si c'était son pote. Allez, viens mon pote, on va boire un petit binous ensemble. Ah oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais me faire repérer. Attention lui, juste à côté là. Merde. Oh là 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 là.
plupart sont morts. Ah, c'est sur lui. Eh putain! J'ai eu. Je crois que ça m'a l'air bon. Hein. Non, je pense à René. Pote, je revis. Ah d'accord, c'était pas je reviens, c'était je revis. Ah! Je pense à René, je revis. Ah! Parce que là, quand je pense à René, je reviens. C'est pas, on sait pas trop comment le prendre. Bah, je pense que c'est parce que je me doutais que c'était pas le mot qui était employé, je pense. C'est pour ça. Non, ah, mais c'est gentil. Non, mais un jour, c'est vrai qu'il faudrait que je puisse retourner le voir. Mais normalement, là, cette semaine, ça va être un peu mieux, donc je vais pouvoir passer de voir l'ancien. Moi. Bon, vous êtes pas blessé. Je vais vous faire évacuer. Je ne vais nulle part. Et pourquoi vous voulez que je sois blessé? Oh, merde. Je n'étais pas otage de Flycatcher. Hein. Bien au contraire. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui apprécie l'innovation. Et c'est encore plus rare qu'il soit disposé à la payer au prix fort. En d'autres termes, Flycatcher vous payait pour améliorer ses drones. Et tous les innocents qui se retrouvaient en ligne de mire. Vous vous en foutiez? Le progrès, c'est comme une balance. Pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants. Je joue des règles qui ont des conséquences. Ah oui, je vais mettre... Ok, toi t'es con. je crois que c'est ce que j'avais mis la dernière fois en plus. Dès qu'il y a eu des blessés, vous êtes entré dans un jeu différent. Et ici, c'est moi qui dicte les règles. Maintenant que c'est votre vie qui est dans la balance, vous voulez toujours jouer ou bien vous me dites où est Flycatcher? Il teste les nouveaux drones. Quelque part dans la zone interdite 01. C'est tout ce que je sais. Voilà. Elle, par contre, a mérité un coup de crosse, elle. Par contre, elle, je vais la tuer, je crois. Elle avait mal parlé. Ah ouais, elle a mal parlé. C'est très d'ailleurs. Ah bah, bon bah du coup... Elle était avec l'ennemi. Je vais devoir couper là, moi, la mimolette. Ça marche, attends, je m'allonge sur le... table de billard. Je t'allonge sur la table de billard, qu'est-ce qu'il raconte? Attends, tu veux dire que je vais devoir arrêter mon live là-dessus? Ouais. Non, moi, attends, avec cette position. Voilà, bah, du coup, bah, c'est comme ça qu'on va se quitter, hein. Fais des bouges YouTube. Voilà, regardez-moi cette posture, voilà. Oh là. Tu comptes te marier, attends. Oh, ça fait genre, vas-y, prends ton cul. Prends-moi le cul. Prends-moi le cul, prends-moi le cul. Prends-moi le cul. Bon, bah allez, bah, je bouge tout le monde. Allez, merde, attends. Ouais, t'as décidé de... Y'a encore le daron.